Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire un tuto comment couvrir un livre. Donc avec du collant. Donc voilà, c'est un rouleau collant. Vous prenez votre bouquin, vous avez besoin d'une bonne paire de ciseaux et d'une règle pour éviter de faire des bulles. Donc on prend son collant en fonction de la taille du livre. Ce qui est bien, c'est que ça dépasse de chaque côté de 1 ou 2 cm. On prend le rouleau, on recouvre le livre. Pareil, on dépasse donc de 2 cm. Une bonne paire de ciseaux est très utile. Ensuite, on dédouble le collant. C'est comme on peut parce que c'est pas simple, surtout quand on n'a pas d'ongle. Voilà. On fait un petit rabat de 2 cm. On positionne son ouvrage sur le petit rabat. Voilà. On coupe de chaque côté, ici, un petit bout. Maintenant, on fixe le collant sur le bouquin. Donc, on ouvre à la dernière page. Et le petit bout, ici, on le plie comme ceci. Voilà. Là, c'est tenu. Voilà l'utilité de la règle pour éviter de faire des bulles. Donc, on récupère le petit bout de rabat, ici, que nous allons tirer. Et fixé avec la règle et on avance doucement de façon à ne pas faire de bulles. Première partie donc du livre, voilà, mettre sa main, on sent qu'il n'y a pas de bulles. On fait l'arrière du livre, donc on retourne, on tire. On fixe le collant sur la tranche du livre. Deuxième partie, la suite du livre. Voilà. On peut aussi, si nous n'avons pas de règle, utiliser un chiffon. Ensuite, nous allons couper pour faire un rabat. Donc tous les petits bouts qui nous gênent. Et on fait les petits rabats comme ça. Idem sur cet autre côté du livre. Voilà. Le livre est quasiment couvert. Il nous reste à enlever donc les petits bouts. Dépasse ici. Et voilà, nous avons un livre de couvert. J'ai choisi 52 week-ends. Peut-être qu'un jour nous pourrons repartir. Voilà, bonne journée à tous.